Bon, salut tout le monde. Je démarre une petite vidéo là parce que bon bah j'ai mon trajet donc je m'en vais à Portland en Oregon. Ah oui, donc on est le mardi 9 mai. Bah je le dis parce que des fois il y a des gens ils me demandent comme je suis en retard un peu dans mes vidéos, hein, je suis pas rapide là pour faire les montages et tout là. Et souvent les gens ils sont étonnés quand je publie des vidéos, il fait du soleil et ils disent il y a encore de la neige, mais c'est souvent les vidéos, c'est pas, je les publie, c'est pas la bonne date parce que je suis pas vif, je suis pas rapide pour faire mes montages. Donc là, ben, on est le 9 mai, alors je sais pas quand est-ce que je vais publier la vidéo là, parce que déjà je démarre mon trajet, donc je vais à Portland. Donc il y a 4000, allez, on va dire 4 800 km. Donc ben, pendant 4 jours, là, je vais rouler à peu près 10 heures par jour. Puis le dernier jour, il me restera 800 km, là, 8 heures à faire. Voilà quoi. Donc c'est une livraison qui est prévue pour le lundi. Donc là, on est le 9 mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, ouais, dans 6 jours. Voilà. Donc là, ben, je viens de raccrocher la remorque là. Je suis chez TJB. Or, il fait un beau soleil, donc là, bah, là c'est notre parking, là, je l'ai déjà fait voir, hein, toutes nos remorques sont là. Puis lui, bah, le bébé, il est là, il est prêt à partir avec sa remorque. Voilà. Alors ici, bah, c'est le cimetière, hein, pas le cimetière des éléphants, c'est le cimetière des vieux camions. Ils sont là, là. Ils servent de... Quand on a besoin d'une pièce, ils viennent les chercher là-dessus, là, sur les Volvo. Il y a beaucoup de Volvo. Là, petit à petit, il est dépiote, quoi. Voilà. Donc bah, maintenant, je vais démarrer, là. Ma ronde de sécurité, elle est terminée. Donc je vais démarrer, là, et puis je vais aller direction l'autoroute. Puis, ben, direction Portland, l'Oregon. Alors, Portland, hein, c'est un état qui se trouve entre l'état de Washington et la Californie, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Les villes les plus connues, ben, en fait, Portland, ça se situe entre Seattle et San Francisco, on va dire. Oula. Bon, ben, je vais remonter dans le camion, puis c'est parti. Allez, à tout à l'heure.
Bon ben voilà, me voilà arrêté, je suis en Ontario là, je sais plus dans quelle ville je suis d'abord. Et puis bah toujours en direction de l'Oregon, Portland là. Donc bah tout à l'heure dans la vidéo vous avez bien vu là, je me suis arrêté, j'ai retrouvé un collègue là. Et bon, en fait il m'a acheté un tagine là, donc il fallait que je le récupère. Donc on s'est retrouvé là, on s'est donné rendez-vous pour qu'il me le donne. Et puis voilà, donc je vais passer la nuit ici. Bon bah là j'ai le temps, hein. De toute façon j'ai rendez-vous lundi à midi, donc avec le décalage horaire ça fait 15 heures pour moi. Donc j'ai largement le temps, là il me reste hop, 4 440 km. Donc là, je vais rouler à peu près 10 heures par jour. Donc là, demain, on est quoi? Mercredi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je vais rouler 10 heures jusqu'à samedi, 10 heures par jour. Et comme ça, bah, durant dimanche, il me restera 4 h 30 à faire. Enfin voilà, en fait, j'ai largement de temps là, de train de descendre. Donc je vais pouvoir prendre mon temps si j'ai envie d'aller voir des choses. Voilà. Donc bah maintenant je vais manger un morceau et puis bah j'allais me coucher et puis bah on reprend ça demain matin tranquille. Ouais bah je vais descendre là, je vais vous montrer un peu le parking. En fait c'est un. On appelle ça un on-route. Un on-route ça veut dire c'est des parkings, c'est pas un truck stop, c'est un parking d'autoroute quoi. Avec le station service et puis donc là voilà. Moi je suis garé là. Voilà. C'est pas un truck stop en fait. Il y a une station-service, il y a des restaurants. Donc là, bah, je suis garé derrière. Là, bah, là, le parking est comme ça. Là, ils sont garés comme ça. Bon, il y en a là, c'est pas normalement, c'est pas pour se garer, mais ils se sont garés quand même là. Puis voilà, c'est le bâtiment. Là, il y a Starbucks Café. Je sais pas si je peux zoomer, bah, lui, il s'en va là. Oh voilà, les restaurants, tout est là-dedans, là, Burger King, Starbucks Café, il y a tout ça, quoi. Ah, Burger King, faut pas trop que je regarde parce que ça c'est mon péché mignon, là j'adore Burger King. Autant j'adore la bonne bouffe, hein, mais ça n'empêche pas que j'aime bien aussi les fast-food. Et bon, Burger King, c'est mon préféré, quoi. Donc bah, moi je vais retourner dans mon camion, là, il fait noir, on le voit pas, mais bon, il est là. Je vais retourner dans le camion et puis bah. Je vais dormir, puis on reprend ça demain. Bon ben voilà, ma nuit est terminée là. Donc il est quelle heure? 7 h 30, 7 h 36 là. Donc je fais bah je fais une bonne nuit. Et puis je vais redémarrer tranquille. Bon, il fait 8 degrés. Mon pare-brise, bah désolé et tout ça, j'ai pas encore passé dans une station service pour le laver. Donc voilà, là le parking en plein jour, ce que ça donne. Ah oui, il y a les cheminées là. Bon. Bon, je sais pas ce qui s'est passé cette nuit, là, le camion à côté de moi, là, s'il a perdu, s'il y a quelque chose qui a fui à son camion, enfin en tous les cas, ben, c'est bien des ports. Hein, parce qu'il y a, je sais pas, c'est tout plein de. Je dirais que ça sent l'essence, là, j'ai senti, ça sent comme de l'essence, mais je suis un peu étonné parce que un camion, il n'y a pas d'essence, quoi. Ouais. Oh là. Enfin bref. Moi, j'ai redémarré maintenant et puis, bah, de toute façon, je vais passer au lavage, là. Ça fait un moment que je dois passer au lavage, mais ça m'énerve parce que j'ai perdu un bout, là. Ça s'est défait, je sais pas comment. Et puis, du coup, ils l'ont commandé là, chez TJB, ils l'ont pas encore remis, mais du coup ça me saoule. Alors je vais quand même le passer au lavage parce qu'il est sale là. Mais j'ai envie de leur dire si jamais c'est trop bas, là. Moi je trouve que ça c'est trop bas, là. Ça vient trop bas et puis ben, si c'est pour les perdre tout le temps, là, eh ben, j'aime autant qu'ils enlèvent tout. De toute façon, il y en a plein qui ne l'ont pas, ça fait pas drôle. Hein. Moi, je supporte pas qu'il manque un truc sur mon camion. Oh là!
Bon, ben c'est bien. Maintenant, il n'y a plus qu'à démarrer. Puis, je vais aller faire le plein. Je vais passer la frontière. Et puis, c'est parti, mon kiki. Il s'envole. Hey, ferme-la, toi.
Bon ben voilà, je me suis arrêté là. Je suis aux États-Unis, j'ai passé la frontière tout à l'heure. Bon, il fait un super beau temps, donc j'ai décidé de venir au resto en extérieur là. Donc là, ben, mon camion il est là. Mon restaurant, ben, c'est là. Voilà, c'est une aire de repos, elle est pas mal grande. Bah là, si je voudrais, là, il y a comme un barbecue là. Je pourrais me faire un petit barbecue, mais bon. Il y en a un là. Normalement, il y en a souvent, il y en a plusieurs là. En tout cas, il y en a un ici là. On va voir s'il y a des gens qui s'en sont servis dernièrement. Ouais, bah il y a des cendres. Voilà. Donc bah, je vais passer ma nuit ici. Bah, j'ai le temps à manière. Là, j'ai vu, il me reste 36 heures de conduite pour aller jusqu'à chez mon client. Donc, demain on est jeudi, je vais faire 10 heures, vendredi 10 heures, samedi 10 heures. Et puis dimanche, il me restera à peu près 6 heures pour arriver chez mon client. Donc, je descends tranquillement là. Puis bah, maintenant, bah, je vais me régaler. Donc là, bah, c'est du rôti d'indonaux en gelée avec des carottes et des haricots verts en salade. Voilà, tout fait maison. Donc je suis en train de bien me régaler là. C'est trop agréable. Et mon camion là qui est là juste en face, il s'agit, il m'attend. Voilà. Donc bah merci ma petite chérie, je me régale. Voilà. Bah à demain. Ciao.